Bonjour à toutes et à tous. Après une longue absence et surtout un manque de temps flagrant pour scraper et faire surtout des vidéos, je vais enfin vous présenter mon dernier album réalisé avec les papiers Scrap Plaisir bord de mer et puis un set Basicolor. Allez, on démarre. Alors, c'est un album réalisé sur mes vacances de l'été dernier. Oui, je suis même en retard pour scraper mes photos. Trêve de blabla, on commence la présentation. Voilà. Ouais, ça serait mieux dans le bon sens, voilà. Ensuite, donc une petite couverture utilisée avec les étiquettes qui sont proposées, toutes les petites découpes. Voilà, hein, on en a déjà là, là, là. Ensuite, on ouvre. Donc là, on commence par une photo. Voilà, une étiquette, vacances. Ici, nos petites. Voilà, comme j'aime bien garder les tickets d'entrée et comme je les trouvais jolis, nous sommes allés évidemment visiter l'aquarium à La Rochelle. Donc, j'ai inséré les tickets d'entrée, voilà, en faisant une fenêtre, tout simplement. Là, on trouve une première pochette, alors pareil, hein, simplement plier le papier en deux, mettre une petite encoche, rajouter toutes les découpes qu'on peut proposer, qui sont proposées dans le kit bord de mer. Tampons, pareil, hein, qui sont en lien avec. Alors, dans cette pochette, on ouvre, on trouve des tags. Non, là, c'est carrément livré, je ne me rappelle même plus. Voilà. Ah non, c'était vraiment un tag. Donc voilà, hein, décoré tout simplement avec des pochoirs. Ici, découpe du set. Voilà. Et de l'encre, Memento. Voilà. Idem. Différents pochoirs pour faire les fonds de tag. Là aussi, on les voit pas trop bien. J'avais pris des étoiles. J'ai essayé d'être à chaque fois dans le thème avec les photos. Voilà. On va permettre. Alors ensuite, on tourne la page. Ici, j'ai fixé une première photo en utilisant donc une des découpes aussi. Hop. Voilà. Ensoleillé, pas ensoleillé, couché. La seconde pochette, donc avec une étiquette qui sert de stop photo. Pareil, là, une étiquette derrière photo. Donc, évidemment, thème bord de mer. Toujours la pochette à l'intérieur. Là, c'est un livret. Voilà, donc tout à chaque fois décoré avec encre et tampon. Voilà, très simple. Voilà. Les espaces utilisés, donc là une seconde photo ici. Donc j'ai essayé à chaque fois de travailler par thème. Donc là, voilà une petite enveloppe par la palmière, une petite pochette pour glisser les tickets d'entrée aussi. Une petite photo avec ce qu'on a pu rencontrer sur la route, et là c'est une double page réalisée, celle-ci avec le set Basicolor. Voilà, tamponnage. Ici, donc pareil, tag. J'ai glissé en dessous aussi des petites photos. Là, c'est même pas tag, c'est un livret. Donc pareil, tout simple. Hein, comme j'ai pris les papiers Basicolor, j'ai rien ajouté, juste posé, mis mes photos dessus.
L'autre côté, toujours la même chose. Pochette. Derrière, photo. J'ai un mal fou à choisir mes photos, donc j'essaye d'en mettre un maximum. Donc, premier tag. Voilà. Le bonheur, c'est. Dans tes yeux. Donc, ça, c'est des petites étiquettes mots trouvées aussi dans le set Basic Color. Voilà. Donc voilà la pochette, hein, double pochette, on tourne, là je retrouve donc les petites étiquettes à découper, le même système de stop photo avec une étiquette aussi du set, ici une double photo posée sur le tag, voilà tout simplement, donc direction la plage. Ici, donc, on a réalisé une pochette, détourage de photos, mise donc étiquette, ici tampon, voilà. Et à l'intérieur de cette pochette, on trouve, je vais le poser, deux tags, dont un, une pochette. L'autre côté, toujours décoré, tag blanc, hein, basique, et décoré simplement avec tampon et encre, voilà. Et dans cette petite pochette, on avait une petite cascade, tout simplement. Pareil, décoré simplement, petit mot, tag. Voilà. Différents tampons de toujours de chez Scrap Plaisir. Et le deuxième tag, donc voilà pour celui-ci. Hop, on va passer à la dernière pochette. Donc là, elle est un peu simple, je pense que je verrai un. Donc là, j'ai simplement rajouté une enveloppe et des traits. Ou à l'intérieur, j'ai glissé aussi mes billets pour... Voilà. Ça, c'était le rêve de ma fille, voir Fort Boyard. Elle aurait aimé qu'on puisse y rentrer, mais ce n'est pas possible. Mais elle ne s'est pas défaite. Elle a dit quand elle serait grande, elle irait faire le jeu. Comme ça, elle pourra visiter. Voilà. Donc pour et je pense ici pouvoir rajouter une ou deux photos puisqu'on arrive à la fin. Et donc c'est un album qui contient quand même pas mal de photos. Là je pense que je vais rajouter des petits comment ça s'appelle, bon, des petites décos, hein, voilà. Et c'est un album qui fait 21 cm sur, il fait 21 de hauteur sur 16 de large. Donc on peut mettre quand même de grosses photos. Je vous dis à toutes et à tous bonne fin de journée, ou bonne journée, ou bonne semaine. Et à bientôt. Bye bye.